Ça va? T'es pas trop fatiguée? Hein? Ben non, ça va très bien. Et toi, ça va? Je crois que je te vois pas surfer sur Facebook. Et alors? Bah, je pense qu'on n'est pas censé travailler ici. T'es ma chef? Non, mais... C'est à toi que je dois rendre des comptes? C'est à toi que je dois rendre des comptes? Dis-moi, parce que j'étais pas au courant que t'étais ma chef. Enfin, je peux parler du travail, on n'est pas en binôme. Bah si on parle du travail, parlons-en. Moi, ce matin, j'ai pris mon thé devant le vagin éclaté d'une gosse de 11 mois, d'accord? Et après, j'ai eu sa mère, hein, qui est prête à se foutre une balle dans la tête, parce que la gamine, elle se fait violer depuis plusieurs mois. Alors si tu veux qu'on parle du travail, bah parlons-en. Moi, j'ai l'impression d'être un bon flic et de bien faire mon travail, si même je fais pas les choses comme toi, d'accord? Alors tu me lâches, tu me laisses avoir des amis virtuels et me détendre un petit peu avant de passer à autre chose. Parce que tu viens m'emmerder. Madame s'exprime. Madame, on a gros sur la patate. Viens pas me faire chier, Iris. Je te jure, c'est pas le moment. Mais c'est jamais le moment. C'est le moment de travailler, toujours le moment de papoter. Tu vas fermer ta gueule? Tu vas fermer ta gueule ou pas? C'est compris? Je te jure, tu fermes ta gueule. Mais y a que toi qui as des affaires difficiles ou je comprends pas? Je fais que des miaules, moi? Non mais on est un binôme, on peut parler de travail, on peut recadrer les trucs un peu. Mais d'où on est un binôme? D'où on est un binôme? Un binôme, c'est quand ça communique entre les deux. D'où ça communique? Ça communique pas du tout. Tu me dis sans arrêt ce que je dois faire et ce que je dois pas faire, ce que j'ai le droit, ce dont j'ai pas le droit, ce que je fais de bien. Tu me donnes sans arrêt des notes, t'es sans arrêt dans le jugement. Alors viens pas me faire chier et viens pas me donner des leçons, c'est compris? Ah bah dis donc. Comme c'est que tu me remercies d'avoir passé des heures à écouter des doléances et tes petits problèmes avec ton petit mari. Juste, je te regarde dans le cadre du boulot, je trouve que t'es à côté de la plaque, Nadine, je te le dis, c'est pas si grave. Je ne te donne pas le droit de parler de mon mec, c'est compris? À cause de toi, j'ai quitté mon mec pour un truc dont j'étais aussi responsable. Parce que toi, tu regardes les hommes comme si c'était de la merde. T'es incapable de donner de l'amour, j'ai honte de t'avoir écouté. Tu comprends? Ma vie de famille me manque, mes enfants me manquent, tu comprends? Et c'est à cause d'elle qui m'a poussé à le regarder d'une façon... Je l'aime, mon mec, ça te fait peut-être chier. Toi, t'aimes personne. T'es sèche comme un coup de trique. Y'a aucune bite qui peut rentrer à l'intérieur de toi. T'es une merde. T'as pas l'air en complète possession de tes moyens. Ah putain, viens pas sur ce terrain-là, c'est compris? Tu viens pas sur ce terrain-là à me dire ce que je dois faire parce que tu me brûles, c'est compris? Viens. Et ton mec, il s'est barré. Il aurait dû se barrer depuis plus longtemps que ça, je vais te dire. Et moi, je le plains, ton mec. Je l'ai plaint pendant des années. Tu te fais dégueuler 3 fois par jour. Tu crois que personne le sait? Mais tout le monde le sait ici. Tu te fais dégueuler toute la journée. On va la laisser parler. Espèce de connasse. Maintenant, c'est fini. T'as compris? Tu me diras plus ce que je dois faire ou pas? Mais moi, je vais faire un rapport. Fais-le tout de suite. Tu veux que je te tape? Mais tiens, on se fait un Bamba, c'est quoi le bordel? C'est quoi le problème? C'est des problèmes d'ego, c'est ça? Les problèmes d'ego, oui, mais l'ego, c'est la dignité. Vous n'en avez pas, vous, d'ego, peut-être? Eh bien, moi, j'ai de l'ego. Ça me permet de me regarder en face. Calmez-vous, je les laisse à la maison, les problèmes d'ego, moi. C'est pas des problèmes d'ego, c'est un problème d'ego, d'accord? Taisez-vous quand je parle! Maintenant! Je te jure, tu fermes ta gueule. Vous serez séparés en septembre. Vous serez séparés en septembre. D'ici là, vous rasez les murs, hein? Ne parlez pas comme si j'étais une débile! C'est bien. J'en ai rien à foutre, moi! Je peux partir! Bah, mais casse-toi, demande que ça! Ça va, ça va, arrête!